voilà, on voulait souligner que c'était important de signaler aujourd'hui que il y a quasiment plus personne en réanimation. Il y a 80 départements à peu près qui envisagent de ne plus faire porter le masque à nos pauvres petits enfants dans les écoles. Tout s'arrange, mais on assiste à un déchaînement de lois liberticides, puisque une poignée de députés, même pas un quart des députés dans le pays des droits de l'homme et des libertés, décident de maintenir en prison à ciel ouvert la population française jusqu'à l'été prochain. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour défiler, faire quelques pas dans la ville de Privas pour faire entendre votre voix? Êtes-vous d'accord? Oui. Bon, ben super, on va y aller alors. Merci. Si toute personne veut venir s'exprimer, que ce soit soignant, gilet jaune, gilet rouge, vert, bleu, il est bienvenu pour venir faire part de ce qu'il a à dire et à partager. C'est toujours agréable d'entendre ça. Merci. Alors, si l'Assemblée nationale a voté la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, je vous rappelle qu'après, il reste le Sénat. Donc, on peut interpeller les sénateurs et sénatrices. J'en ai vu quelques-unes qui ont pris une position tout à fait opposée au pass et à l'obligation vaccinale. Donc, ils se posent des questions. Donc, il faut enfoncer le clou et interpeller les sénateurs et sénatrices. Ils sont payés pour cela. Donc, n'hésitez pas à leur adresser par mail, par lettre, par tous les moyens. Il faut s'adresser aux sénateurs. Ils doivent se réunir le 28 octobre. Donc d'ici là, on a encore le temps de les interpeller le plus possible, surtout les sénateurs, sénatrices du département. À Martinique, le centre hospitalier CHU donc, de Martinique est ouvert à tous, sans passe, avec passe ou sans passe. Donc ça veut dire que la Martinique est en rébellion face aux décisions de la métropole du gouvernement. Voilà une bonne nouvelle. Nous sommes tous des Martiniquais. La semaine prochaine, il y a plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, sur le marché de Joyeuse, il y aura un cercle de silence à partir de 11h30, où on sera en silence autour de bougies qui représenteront la phrase « Don't stop au pass ». Et puis le mercredi soir, toujours à la Blachère, les assemblées populaires ouvertes à tous les citoyens et citoyennes qui veulent s'organiser sur le sud Ardèche. Contre le pass sanitaire, contre la prolongation de l'état d'urgence, contre l'état autocratique qui se met en place progressivement, contre le pass numérique qui va suivre le pass vaccinal et tutti quanti. On va créer une cagnotte pour soutenir les soignants qui étaient suspendus. Donc si vous voulez participer à cette cagnotte, c'est sur le site Liberté 07. Et surtout, si vous connaissez des soignants qui sont dans la galère financière, eh ben, dites-leur d'aller sur le site et de nous mettre un message pour signaler qu'ils souhaitent bénéficier de cette cagnotte. Et des libéraux dans nos pays occidentaux. Donc la liberté, en fait, ils s'en foutent. C'est la liberté des plus riches, de ceux qui peuvent contrôler tous les autres. Ce gouvernement est corrompu, il faut le dire, vendu au laboratoire pharmaceutique. C'est une honte. Nous faisons un arrêt à la médiathèque qui fait signer une pétition contre le pass sanitaire obligatoire pour entrer à la médiathèque. Donc si vous voulez signer la pétition, on s'arrête un moment. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en nous privant de culture, on nous prive de notre dignité humaine. C'est une façon aussi de porter atteinte à notre santé mentale, émotionnelle et psychique. Pas de culture, pas de futur. Donc, signons cette pétition. Merci beaucoup.
pour une situation. Merci. Pour signifier que nous sommes contre ce pass sanitaire, contre la mise à pied des soignants, c'est très grave, contre la casse du code du travail qui va avec. Et bon, ben, le micro pour tous ceux qui veulent prendre la parole. Encore une fois, merci à tous. Voilà, nous sommes venus ici collectivement exprimer notre profonde indignation et dégoût devant des serviteurs d'un État qui osent supprimer le travail à du personnel qui s'est sacrifié, qui est allé au casse-pipe en tenue de poubelle pour défendre les malades, les personnes âgées, et qui aujourd'hui se retrouvent sans salaire, avec même pas de quoi payer leur loyer, nourrir la famille. J'ai honte pour vous.